Il regarde ces images avec plaisir, mais à l'époque, elles avaient fait beaucoup de bruit. En 1978, lors de la première édition de la Route du Rhum, Lilian Matou, ici à droite, fait partie de l'organisation de la course mythique. À l'arrivée, il tend une bouteille de rhum au vainqueur du jour, sans se douter qu'il sera à l'origine d'une polémique dont on lui parle encore. On lui a proposé une bouteille de champagne, dont je ne citerai pas le nom. Et j'ai trouvé ça un peu démesuré, comme il y avait juste à côté de moi le directeur commercial et le directeur d'une marque de rhum qui se sont trouvés là comme ça, par hasard. J'ai dit, et il y avait plusieurs bouteilles de rhum sur le bar, j'ai demandé à ce qu'on me donne une bouteille de rhum. Et de là, ils m'ont emmené la bouteille de rhum et j'ai sauté sur le bateau de manière et à lui remettre une bouteille de rhum. Mais sans arrière-pensée. Je n'aimais pas me regarder quelle marque de rhum. C'est très simple. Ça s'appelle la Route du Rhum. Et ils veulent fêter ça avec une bouteille de champagne. C'était quand même un peu dur. Aujourd'hui, le rhum guadeloupéen a profité du label Route du Rhum. Et c'est ce qui est important au travers du fait que Michael Burch a bu une goutte de rhum. Et je pense qu'on devrait s'arrêter là et faire taire toute polémique, malgré ce qui a été un peu douloureux, enfin émotionnel à l'époque. Sans lui, l'arrivée de la première Route du Rhum se serait déroulée sans rhum. Mais il se serait bien passé de cette affaire.